À l'occasion de l'Assemblée générale du PADES, il y a 2 semaines de cela, Dr Ousmane Kaba, ancien ministre de l'Économie et des Finances, a profité de l'occasion pour expliquer à ceux qui veulent l'entendre que les militaires ne peuvent pas développer la Guinée, ce n'est pas leur formation, ce n'est pas leur travail. Lors de cette sortie d'une vingtaine de minutes, le président du Parti des démocrates pour l'espoir, PADES, a dit qu'aujourd'hui les Guinéens sont assez matures pour distinguer le vrai du faux. Les gens pensent qu'on peut continuer à mentir au peuple de Guinée. Si vous avez menti hier, les gens ont suivi, on ne peut pas mentir aujourd'hui parce que les gens d'aujourd'hui sont plus intelligents quand même. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Dans un petit pays, comme la Guinée, avec seulement 14 millions d'habitants, on est incapable de donner de l'électricité, parce qu'ils ont voulu faire croire que celui qui est parti, professeur Alpha Condé, NDLR, avait réglé le problème de courant en Guinée et que ce sont les militaires qui ont gâté, ce qui est faux. Celui qui est parti a fait 2 barrages, mais c'est moi qui ai fait le premier barrage, il n'en voulait même pas, donc je sais de quoi je parle, explique-t-il. À en croire Dr Ousmane Kaba, l'ironie c'est quand on dit qu'on avait réglé le problème de l'électricité alors qu'en 2020 on a amené un bateau turc à Conakry. Quand on dit qu'on a fait 1 barrage ou 2 barrages, ça ne veut pas dire qu'on a réglé le problème d'électricité, c'est faux. Vous allez régler le problème d'électricité le jour où chacun va avoir une ampoule allumée chez lui 24 heures, 24. Même si tu fais des barrages, si les gens n'ont pas de courant, est-ce qu'on peut dire qu'on a réglé le problème de courant? D'ailleurs, ce qui m'a fait rire, ceux qui disent qu'on avait réglé le problème de courant oublient qu'on a fait venir un bateau ici pendant l'élection de 2020, ce n'est pas vrai? Si le problème était réglé, est-ce qu'on allait envoyer un bateau turc? Donc soyons sérieux, il ne faut pas mentir. Plus loin, cet acteur politique se demande pourquoi les gens aiment mentir dans ce pays et ils aiment que tout le monde soit d'accord avec leurs mensonges. Moi, je ne suis jamais d'accord avec les mensonges. Alors on va dire, ce sont les militaires. Je dis, non, les militaires ne sont pas responsables de ça, ils ont trouvé ça ici. Mais j'ai ajouté que les militaires ne sont pas capables de donner de l'électricité, ils ne vont jamais le faire, pourquoi? Est-ce que c'est le travail d'un militaire de donner le courant? Alors les militaires ne peuvent pas développer la Guinée, ce n'est pas leur formation, ce n'est pas leur travail.